Marie, qu'est-ce que tu fais ? Tandis qu'en cette nuit je m'enroule dans mon manteau pour me protéger du froid, je souris au souvenir de cette habitude que j'ai prise de tout temps, d'appeler ma mère Marie. Avais-je 2 ans ? 3 ans ? Cela remonte-t-il avant ? Quand j'ai commencé à marcher ? À parler ? Pour faire comme Joseph, qui commençait amoureusement toutes ses phrases par son nom ? La première fois, était-ce un jour d'hiver, comme aujourd'hui, après qu'elle m'ait pris contre elle pour me réchauffer? Ou une nuit que, blotti entre ses bras, j'étais au paradis? Je ne sais plus. Joseph me reprenait. Il faut dire « maman ». Marie, elle, lui disait « laisse, il est petit ». Et puis l'habitude nous est restée. Elle aimait ce rapport particulier que j'avais avec elle. Cette relation différente de celle qu'ont les autres enfants avec leur mère. Qu'avaient avec elle mes frères et sœurs. Je conviens que cela m'amusait aussi de l'appeler Marie plutôt que maman. Surtout quand c'était devant autrui et que personne ne s'y attendait. Oui, cette familiarité lui plaisait. Je le voyais à l'étincelle qui brillait alors dans ses yeux. C'était devenu un jeu entre nous. Jusqu'au jour, bien plus tard quand, adulte, m'a submergé d'un coup l'évidence que la mère extraordinaire que Dieu m'avait donnée débordait tellement d'amour qu'elle était non seulement ma mère, mais la mère, la femme, toutes les mères, toutes les femmes. C'était il y a une éternité. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Elle savait avant moi que j'allais bientôt quitter l'atelier. J'arrange encore un peu la pierre sur laquelle j'ai disposé un pan de mon manteau et repose ma tête. Me voilà installé pour la nuit. Merci, Père, de m'avoir donné une maman telle que Marie. Aimante, observatrice, prévenante. Qui se font maintenant là-bas dans l'ombre de la nuit étoilée avec le petit groupe des femmes qui nous accompagnent depuis la Galilée. Jeanne, l'épouse de Chouza, l'intendant d'Hérode, de la parenté de Joseph. Marie, la mère de Jacques. Et, bien sûr, l'autre Marie, la sœur de Marthe et de mon ami Lazare de Béthanie, que tous surnomment la Magdaléenne, parce que c'est à Magdala qu'elle s'est jointe à nous, après qu'avec l'aide du Père, j'ai redonné sens à sa vie. Elles qui ont décidé de se joindre à nous quand elles ont constaté combien l'intendance de notre aventure laissait à désirer. Acceptant les imprévus qui nous retardent invariablement dans l'un ou l'autre des villages où je vais enseigner et font qu'elles doivent nous attendre le soir, souvent jusqu'à point d'heure, sans rechigner. Elles dont je distingue à peine les silhouettes allongées. Guère plus que celles de mes compagnons qui sont couchés plus loin, sous les oliviers. Tous ces amis qui me suivent en aveugle et cheminent désormais avec moi, jour après jour, qu'il vente ou neige, que darde le soleil ou ruisselle la pluie, se confiant à la Providence, quoi qu'il advienne.